Pour la finale femme, on va retrouver la Russie avec Uliana Klemenchikova. Face à sa compatriote, Yulia Finegina. Vous pouvez une fois applaudir Uliana Klemenchikova et Yulia Finegina. On y est maintenant à quelques secondes du début de cette finale. Nous y sommes, c'est une très belle finale avec deux jeunes combattants qui représentent vraiment l'avenir du Kyokushin Karaté. Personne ne les attendait ce matin. Ils ont éliminé les meilleurs de cette série. Seulement ceinture noire. Fonctionnement pour la finale, on est sur le même temps de combat. Même temps avec une prolongation doublée cette fois-ci aussi. Ces deux jeunes femmes se donnent à fond. Les seules protections pour les femmes sont les protections de poitrine. Et ça frappe très très fort. Je suis très étonné parce que tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de voir avec lui finalement. C'est pareil. Les jeunes femmes qui tournent à 63 et 66 kg respectivement, ça frappe très très fort en effet. Les règles sont les mêmes que celles des hommes. Даже правый внутрь. Да, есть еще. Pascal, je vois que l'une des compétitrices a une body qui est ouverte, ça pose pas de problème pour ces deux combats. Pour les Dachiens qui dirigent l'arbitre, ils vont effectivement de faire un peu de travail. On privilégie les spectacles et les spectateurs. Merci, les actions sont continuées. Merci de les encourager. Let's go!
Allez, on continue. Vous avez encore les mains. Le seul expert reconnu de Kokushinkai en France.